Bonjour, je suis Stéphanie, j'ai 29 ans et je suis également connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Ebony Diary. Et les accessoires cheveux que vous pouviez retrouver sur le site, c'est moi qui les créais, donc 100% fait main. Est-ce que les accessoires reviendront un jour? Est-ce que tu comptes te relancer un jour dans la confection d'accessoires et dans la vente de tes accessoires? J'espère que le projet va vous plaire. Hello! J'espère que vous vous portez à merveille. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler accessoires, cheveux. Et je vous propose 3 tutos coiffure très très simples à réaliser avec des accessoires que j'ai confectionnés moi-même. Et surtout, je vais vous parler du projet qui se cache derrière ces accessoires. On commence avec la première coiffure, très très simple, vous allez voir. Donc là j'ai les cheveux étirés, j'ai pas fait de brushing ou de lissage, quoi que ce soit. En fait j'ai juste fait plusieurs fois dans la semaine des chignons et automatiquement mes cheveux se sont étirés. Voilà, pour la petite explication. Pour la réalisation de cette coiffure, je vais utiliser un de mes turbans, headband croisé. Pour celles qui connaissaient Ebony Shop, ça doit vous dire quelque chose. Et en fait, je vais tout simplement ramener mes cheveux à l'arrière de ma tête et je vais maintenir avec des épingles. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment ramené grossièrement mes cheveux à l'arrière, je les ai enroulés sur eux-mêmes et j'ai ramené la pointe à l'intérieur de mes cheveux et j'ai maintenu avec des épingles. Donc là, c'est la première étape de la coiffure. Deuxième étape, on va placer le turban. D'ailleurs, dites-moi ce que vous pensez de la couleur des tissus. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. J'aimerais bien avoir votre avis sur les tissus choisis. Si c'est des tissus qui vous parlent, vous les trouvez un peu trop colorés, pas assez colorés, des couleurs que vous aimez. Je suis à votre écoute, donc n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. C'est assez important, surtout pour la suite du projet. Donc je maintiens mes cheveux à l'arrière avec des épingles, on ajuste bien le tout pour que la coiffure soit assez jolie, que ce soit à l'avant comme à l'arrière de la tête. Et ensuite j'ai tout simplement dégagé quelques mèches de cheveux au niveau de mes oreilles. Et voilà pour cette première coiffure. Je vous montre le rendu avec cet accessoire et 2 autres modèles. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la coiffure. Et lequel de ces 3 modèles vous plaît le plus? On passe à la deuxième coiffure et je vais vous en dire un petit peu plus sur le projet que j'aimerais mettre en place. Donc là, vous allez tout simplement tracer une raie sur le côté de votre tête, à droite ou à gauche. Ensuite, vous allez bien plaquer vos cheveux. Là, j'utilise une brosse en poils de sanglier. Ça permet de bien plaquer les cheveux, mais de le faire de façon assez douce, de pas du tout brutaliser nos cheveux. Et ensuite, je vais ramener mes cheveux sur le côté et je vais tout simplement les attacher sur le côté opposé à la raie. Et voilà pour la deuxième coiffure. Alors le projet que je souhaiterais mettre en place, il y a quelques années, pour celles qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que j'ai créé un site qui s'appelait Ebony Shop, sur lequel je vendais des produits et des accessoires capillaires. Les accessoires capillaires, c'est moi qui les créais. Donc vous aviez des foulards, des bijoux de tête, nœuds avec épingles comme celui que je viens de rajouter à ma coiffure, des turbans, des élastiques, enfin il y avait vraiment un petit peu de tout, le tout réalisé avec des tissus en wax. Ça marchait plutôt bien, vous étiez plutôt contente, donc ça fait très plaisir. Et vous avez d'ailleurs été nombreuses à me demander si les accessoires reprendront un jour, si je déciderai de repartir dans la confection d'accessoires et à nouveau de les mettre à la vente. Et oui, ce serait vraiment mon souhait et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour ça que je vous présente ce projet aujourd'hui, parce que je vais avoir besoin de vous, besoin de votre soutien pour aller au bout de ce projet et relancer la confection d'accessoires est bénie. Comme vous avez pu le voir, on est passé à la troisième coiffure et cette coiffure, je pense qu'on peut dire que c'est ma signature, ma coiffure préférée. Je l'adore. Vous allez tout simplement plaquer les cheveux tout autour de votre tête à l'aide d'une brosse et ensuite, vous allez faire un puits au milieu de votre tête où vous allez placer un boudin à chignon. Et ensuite, vous allez tout simplement remonter vos cheveux sur ce boudin, au centre de ce boudin, et y placer des épingles pour maintenir vos cheveux. L'objectif, c'est de se faire un énorme chignon. On maintient le tout avec des épingles. Et ensuite, vous allez placer un headband fil de fer
Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas du fil de fer super dur, c'est un fil en aluminium en fait, assez souple, que je place à l'intérieur du headband pour qu'il soit beaucoup plus malléable et pour que vous puissiez très facilement l'adapter à vos coiffures. Et donc là, on va placer le headband. Donc on continue sur le projet, voilà, j'en profite pour continuer à vous présenter les choses. Et donc en fait, ce que je souhaiterais, donc vous l'aurez compris, c'est relancer les accessoires. Donc ce sera sous le nom Les Accessoires d'Ebony D, c'est le nom de la marque. Et les accessoires seront vendus sur la plateforme Etsy. Si aujourd'hui je vous dis j'ai besoin de vous, c'est parce qu'en fait j'ai mis en place un moyen de financement participatif pour que vous m'aidiez à atteindre le budget dont j'ai besoin pour pouvoir relancer la boutique d'accessoires, pour pouvoir relancer la confection des accessoires. Pour le détail du montant et ce qu'il représente, je vous invite à vous rendre sur le lien que je vous ai mis en barre d'infos qui vous présentera le Kickstarter, qui vous présentera le montant dont j'ai besoin et également les différents postes de dépenses de ce montant. Et pourquoi je vous ai présenté ces accessoires dans cette vidéo, c'est parce que ce sont les accessoires que vous recevrez en contrepartie de votre aide, de votre soutien pour mon projet. J'espère de tout cœur qu'il vous plaira. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé des coiffures. Elles étaient assez simples, assez rapides pour que vous puissiez facilement les réaliser et également pour que je puisse facilement vous expliquer le projet en même temps. Et les accessoires. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est super important pour moi de vous proposer des accessoires qui vous plaisent avec des modèles, des tissus qui vous plaisent. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et si vous souhaitez me soutenir dans ce projet, rendez-vous dans la barre d'infos avec le lien vers le Kickstarter. Et dans tous les cas, merci énormément pour votre soutien. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on a atteint les 20 000, donc merci du fond du cœur, je suis super contente qu'on soit aussi nombreuses et nombreux sur cette chaîne. Donc vraiment un énorme merci à vous, et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo.